tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, ça vient de comment une idée? Vous avez sans doute des tas d'idées, vous, je sais pas, vous vous promenez dans la nature et vous avez une idée de photo et puis vous rentrez chez vous et vous dites bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette idée? En fait, vous allez voir, l'idée est le pire ennemi des créateurs et des artistes. Pourquoi? Eh bien parce qu'une idée, une idée en tant que telle, ça ne sert à rien, mais absolument rien. Ça n'a aucune utilité, à part celle de dire j'ai une idée. Pour que cette idée se concrétise et qu'elle existe en tant qu'image, eh bien, il va y avoir un processus. Et en fait, c'est ce processus dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous savez, j'ai parlé de l'art contemporain, vous savez, de cette religion, il y a quelques semaines. Eh bien, en fait, vous savez, pour beaucoup de gens, et l'idée vient du 19e siècle, l'idée est qu'il existerait une immanence, une transcendance, qui créerait chez les auteurs, chez les créateurs, des fulgurances. Vous savez, des moments où oh, l'idée est géniale. Alors évidemment, il n'y a pas de doigt de Dieu. Et alors peut-être qu'il y a une immanence, je ne sais pas. Personne n'en sait grand-chose. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette idée-là est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que une idée, une image, en réalité, qui s'imprégnerait dans votre esprit, en réalité, elle n'est pas encore une image. En général, et c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois en vous disant qu'il fallait toujours en passer par la linguistique, ben c'est qu'en fait, ce sont des mots. C'est-à-dire que vous allez, je ne sais pas, avoir une idée, et cette idée, ça va être, je vais mettre, je ne sais pas moi, un chien sur une balle rouge. Voilà. Alors ça, c'est une idée. Sauf que ce sont encore que des mots. Pour que ces mots se concrétisent en image, il va falloir passer par un travail. Et ce travail, ben, c'est celui pour lequel moi on me paye, par exemple. Ben, en fait, c'est tout le travail que je fais en tant que directrice artistique lorsque je crée des mood boards. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, et c'est là qu'on en vient à l'idée de mood board. Alors, mood board, c'est un terme que j'ai beaucoup popularisé dans mes livres, puisque dès le premier tome du manuel de photographie et d'éclairage, je parlais de mood board. Alors, c'était un mot qui était absent des manuels de photographie, en tout cas au moins de ceux qui étaient publiés en français, jusqu'au milieu des années 2015, hein, c'est-à-dire au moment où j'ai publié le manuel de photographie et d'éclairage, tome 1. Ben pourquoi? Ben parce que la plupart de ceux qui enseignent la photographie ne sont pas directeurs artistiques, et donc ils n'ont pas ce processus, cette méthode de création. Parce que ben, il peut arriver, alors parfois on a des bonnes idées, hein, et on arrive à les concrétiser, et ça donne des bonnes photos. Sauf que dans mon métier, ben, il ne faut pas faire une bonne photo par an, en fait, il faut avoir une bonne idée toutes les 20 minutes, parce que c'est cette bonne idée, entre guillemets, qu'on va vendre et qui va nous faire gagner de l'argent. Et donc, qu'est-ce que c'est un mood board? Ben, un mood board, c'est l'assemblage d'un certain nombre d'images qui vont créer un mood, une atmosphère. Je m'explique. Je sais que je dois photographier, je sais pas moi, une bague par exemple, et que le mot-clé, le mot-concept, c'est liberté. Eh bien, liberté, ça peut vouloir dire énormément de choses. Et liberté, dans mon esprit, c'est peut-être pas le même sens que j'y mets que dans l'esprit de l'entreprise qui m'embauche. Hein. L'entreprise qui m'embauche, elle est multimilliardaire, donc il est très probable que liberté, pour elle, dans sa tête, c'est liberté d'entreprendre. Et tandis que moi, liberté, ben, c'est la liberté au sens révolutionnaire du terme, hein, c'est-à-dire le fait que nous sommes des êtres libres par nature. Et donc, si je commence à mettre mes idées, ça va pas marcher. Donc, il faut qu'on ait un échange. Et pour qu'on ait un échange, eh bien, il va falloir qu'on échange par le biais d'images. Si on échange par le biais de mots, ben, les mots, comme je vous l'ai dit, ben, les mots, ils sont pas très précis. Et le terme liberté, eh bien, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Tandis que si je montre une photo, je sais pas moi, d'une colombe qui s'envole dans le ciel, eh bien, c'est plus clair, ça précise mon sens, ma façon de voir la liberté. Si j'y montre les pieds nus marchant dans une rivière, par exemple, avec de la mousse, eh bien, en fait, ça donne une autre façon de voir la liberté. Si j'y montre, je sais pas moi, deux lièvres s'ébattant et gaiement en courant dans la forêt, eh bien, c'est une autre idée de la liberté. Donc, quand on crée un mood board, en fait, on va mettre des images. Et ces images, on va les mettre surtout en s'interdisant de penser à ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait, vous savez, en psychologie, lorsqu'on fait de la lecture automatique, de l'association de mots, de l'association d'idées. C'est-à-dire que les mots viennent les uns après les autres, et on ne sait pas d'où ils viennent, et le psychologue ou le psychothérapeute va analyser ces mots pour essayer de décrypter un petit peu votre psyché. Mais là, dans ce cas-là, c'est un travail que vous faites seul, c'est-à-dire vous pensez au mot liberté, puis
Vous tapez liberté dans un moteur de recherche quel qu'il soit, Pinterest, Google, etc. Ça va vous donner des images. Ces images vont, par association d'idées, vous donner d'autres images. Ben, par exemple, je commence de ma colombe qui s'envole dans le ciel et puis finalement je vois un nuage qui a une forme de cœur et puis je vais aller sur le nuage qui a une forme de cœur et ça va me proposer une série de nuages et puis peut-être un atoll au milieu du Pacifique qui a une forme de cœur, enfin que sais-je. Et donc par conséquent, et bien, par association d'idées, des images vont venir. Et lorsqu'une image me parle, résonne en moi, et bien je vais la sélectionner et la mettre dans ce dossier. À la fin de ce processus, je vais me retrouver avec 20, 30, 50 images qui, pour certaines, vont être utiles et d'autres vont servir absolument à rien. Au bout de quelques instants, donc on laisse passer une heure ou deux, et puis après on retourne voir ces images, et puis après on va les mettre ensemble, et puis on va jeter celles qui ne vont pas, et puis ainsi en chercher de nouvelles. Et à la fin, au fur et à mesure, un espèce de corpus va se mettre en place, va apparaître. Et ce corpus va commencer à faire émerger une façon de voir les choses. C'est-à-dire, vous allez vous dire, alors je ne sais pas du tout ce que je vais photographier, mais je sais que ça va être bleu. Je ne sais pas du tout ce que je vais photographier, mais je sais que ça va être bleu pastel. Je ne sais pas du tout ce que je vais photographier, mais je sais que ça va être bleu pastel avec un petit peu de rose en bas. Je ne sais pas ce que je vais photographier, mais ça va être bleu pastel avec un petit peu de rose en bas. Et il va y avoir à un endroit une ligne courbe en forme de S, etc., etc., etc. Et par ce processus, qui peut être parfois très long, bien en fait, une création originale va apparaître. Mais cette création originale ne peut apparaître que si vous avez d'un côté des éléments rationnels, des images réelles dans un ordinateur, et de l'autre côté de l'irrationnel, c'est-à-dire ce qui vous amène à choisir telle ou telle image. Et il faut à chaque moment que l'irrationnel et le rationnel soient en dialogue, de manière à ce que le rationnel ramène l'irrationnel un petit peu dans les rails de ce qu'on veut, hein. On travaille sur le concept de liberté par exemple, et de l'autre côté, que l'irrationnel dise « Mais non, regarde, dans ton concept de liberté, on peut rajouter, je sais pas quoi, des ballons rouges et je sais pas moi, un hippopotame. » Voilà. Et toutes ces choses-là, donc ce processus, cette démarche, va permettre à la fin de créer un mood board, un concept, une image concept. Image concept qu'on remplira ensuite en disant on sait qu'on a une ligne, je dis une ligne en forme de S, cette ligne en forme de S, ça peut être une femme, par exemple, extrêmement mince. Pour que ça fonctionne bien avec le bleu pastel que j'ai visualisé, j'ai plutôt besoin d'avoir des cheveux blancs ou des cheveux blonds. Donc je vais prendre une modèle mince avec les cheveux blonds, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que ça va se construire. On va se dire, on a besoin de maquillage de cirque, par exemple. Maquillage de cirque, qui est-ce qui peut faire ça? Un tel maquilleur, il fait de très beaux maquillages de cirque. On pourrait rajouter quelque chose qui bouge dans les cheveux. On pourrait rajouter des plumes. Alors, je dis n'importe quoi, ça vient comme ça vient. Très bien, je connais un excellent plumassier qui va travailler avec des plumes de cygne, etc., etc., etc.